Raïcha Oumadi en binôme avec Munirou Ahmed Ahmed. Raïcha Oumadi bonjour. Bonjour André, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mayotte, à toute la population maoraise et spécialement bonjour en canton 5 de Congo. Alors quelle est la particularité de votre binôme En quoi votre binôme avec Munirou Ahmed Ahmed est le meilleur binôme proposé dans la commune de dans le canton de Congo vous savez, André, euh, ma, ma décision pour être candidate, c est, c est, c est vraiment, ça a été longuement réfléchi. Euh, j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi euh, avec qui je peux... Parce que je peux dire que je suis novice, mais j'ai commencé la politique en, de, en 2018 en étant la suppléante de la Chakrina. Du coup, je me suis dit que j'étais prête, mais j'attendais la personne justement pour être un binôme avec. Et... Euh, on a vu avec Mounirou, on a dit on peut faire quelque chose pour le canton. Donc, euh, on a décidé, on a pris <coughs> une décision qu'on allait euh, être candidate avec euh, comme suppléant, madame Saïd Sadanati et euh, Ahmed, Ab Ahmed Abdou. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire alors, cette fameuse chose pour le canton Franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Moi, je, les axes principaux pour nous, les, les projets, euh, ça serait plus dans le social et cette, euh, fin, cette insécurité, cette, ce fléau d'insécurité qu'on a, sur la commune de Kongou. Insécurité à Kongou, donc vous, qu'est-ce que vous proposerez, vous, conseillère départementale Dans l'insécurité, comme on dit, beaucoup le disent, c'est une compétence de l'État, certes, mais les, les préventions, le département peut être compétent des, des préventions qu'il faut prendre. Euh, on a des jeunes, euh, par exemple, cette insécurité, parce qu'à chaque fois qu'on qu entend commune de Kongou et Mamoudzou, c'est souvent dans ce, ce problématique là Du coup, nous souhaitons. A, on ne peut pas tout fin, mettre dans le bon chemin, tous ces jeunes-là, mais connaissez essaie déjà de les connaître, de... de, 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 de comment je peux dire ça les De les recenser De les recenser, de savoir mmh. d'où viennent, parce que c'est des jeunes de 12, à partir de 12 ans, tu vois, des jeunes sur, euh, qui, qui, qui commettent des délits, et euh, ils restent souvent dans l'impunité. Donc... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Les punir <laughs> euh, euh, Qu'est-ce que vous proposez alors bah, Qu'un jeune, s'il fait un délit, s'il commette quelque chose, qu'on ne l'interpelle pas, pas à, le, à 8 heures et qu'on le relâche à, à midi. Donc, euh, booster l'État, parce que, comme on dit, c'est une compétence de l'État, mais il faut savoir aussi qu'on doit tous prendre nos responsabilités, que ce soit le départemental, la commune, ainsi que les parents. Mmh. Donc, euh, je pense qu'en essayant d'insérer ces jeunes-là, que ce soit dans les centres de formation ou euh, qu'il y ait des. Euh, comment je peux dire ça? Alors, le, moi, ce que je, je souhaiterais savoir, c'est que quand vous dites que le département doit booster l'État, doit etc., donc le département, vous allez juste mobiliser l'État, dire à l'État, voilà ce que vous devrez faire. Non, parce que ce n'est pas l'État qui vit ça tous les jours, c'est nous, les, la, la population mahoraise. Mmh. Donc, soit qu'on qu qu propose, parce que c'est tout Mayotte, qu'on propose des solutions pour ces jeunes-là. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas tout, tout, tout arranger en six ans. Mais qu'on qu fasse au moins le base, qu'on qu connaisse déjà ces jeunes-là, qu'on essaye les, le maximum de les insérer dans, un, dans, dans des formations, ceux qui sont déscolarisés, et puis euh, voir, les, les sensibiliser le plus et plus, les connaître. Alors, le département de Mayotte <laughs> a 10 ans. Euh, vous serez parmi les décideurs si vous êtes élu hein, dans cette euh, assemblée départementale. Euh, D'abord, que vous inspire les 10 ans de la départementalisation de Mayotte il y, y a un changement. Il y a, je trouve que on peut, enfin, on est dans le côté plus positif. On peut, ça, ça peut s'améliorer, ça peut encore s'améliorer. On peut l'état, enfin, la, la, la vie maoraise de Mayotte peut s'améliorer. Vous faites fait un plus. constat donc positif durant de durant ces dix dernières années de départementalisation, mais si vous êtes euh, élu donc euh, et parmi les décideurs. Comment allez-vous améliorer euh, euh, les choses pour les dix années à venir Comment je vais les améliorer tout en étant d'accord avec je... les euh, 25 autres euh, Conseil départementaux. conseillers départementaux, évidemment. Mais on peut travailler les projets qu'il y a déjà et je pense qu'on est tous là pour la même chose, l'amélioration de, de Mayotte, qui est un développement <coughs> de, de notre département. Donc, je pense qu'en étant d'accord avec tout le monde on est dans la majorité, bien sûr, on peut travailler des projets euh, nécessiteux et euh, des projets plus uh, positifs pour Mayotte. Et euh, quels seront, par exemple, vos engagements avec euh, votre binôme Mounirou Ahmed Ahmed en termes d'aménagement du territoire et, euh, euh, et par, rapport à, par rapport au, au, au déplacements sur ce territoire euh, C'est l'aménagement, tout ce qui est routier. Puisqu'on a un problème, on a un gros problème d'embouteillage tous les matins, tous les soirs. Donc je ne sais pas. Enfin, c'est vrai. Y a, on, a, on nous a proposé comment ça s'appelle le train bleu, les téléphérique, certes, mais c'est des, des, Ce des projets. C non, des projets. C'est des projets à, à, oui, à oui. long terme. Je mm -hmm. pense que. y a un projet comme le contournement. Je sais pas que ça soit euh, maritime ou euh, qu'on qu qu fasse d'autres routes, qu'on construise, qu'on aménage d'autres routes. Et donc, euh, là, là, vous êtes quasiment, euh, en tout cas, tous les candidats parlent d'autres projets, donc autres projets euh, donc autre projet que ceux qui sont déjà lancés, étudiés, puisqu'il y a le train bleu qui est déjà étudié hein, il y a ce projet de bus également euh, euh, qui est là. Et tous parlent de contournement, euh, de nouvelles routes et également de euh, l'exploitation euh, de la mer, etc. Donc, vous allez tous abandonner ces projets en cours pour euh, vous lancer euh, non, sur d'autres projets Non, mais je pense projets? que c'est assez urgent. Enfin, c'est assez urgent parce qu'on ne va pas attendre jusqu'à 20 ans. pour. Euh, parce que comme je l'ai dit, le euh, train bleu, c'est un projet à long terme. Mm -hmm. Il vaut mieux se voir les projets qu'on peut faire rapidement. Enfin, quitte à ce que ça prenne 5 ans ou 6 ans, mais que ça se fasse rapidement. On ne va pas attendre encore 40 ans ou 50 ans pour avoir... Euh, alors, Madame, je voudrais vous, vous entendre sur euh, une proposition ou un constat qui a été fait par la personne qui était là <coughs> avant vous, qui parlait un peu de, 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 de logement ou de situation de précarité euh, par rapport à certaines familles, qui parlait de régularisation hein, de, 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 de personnes sur des parcelles. Comment vous, vous comptez mettre en œuvre une, 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 votre politique de logement, puisque manifestement il en faut, dans votre canton et donc dans tout Mayotte Honnêtement, mon équipe et moi, on ne peut pas régulariser enfin, des, des terrains. Il enfin, faut se poser la question d'où viennent ces, ces, ces personnes-là. Déjà, on ne peut pas venir s'installer dans des parcelles qui ne nous appartiennent pas et dire qu'on va régulariser. Ça, on le dit pour la politique, pour euh, les voix du 20 et du 27. Mais il ne faut pas se mentir, les gens ne sont pas dupes. Donc euh, déjà, connaître ces gens, si les gens sont en situation d'irrégularité, je ne vois pas comment on peut les, enfin, les, les donner des terrains, donner des logements Alors, à ces gens-là. Alors, il y a, il y a des... des phrases, il y a des des expressions ou des choses qui sont faites juste pour le 20 à le 27 Et puis, il y a des choses sérieuses. Oui, c'est ce que je... je, je quand est-ce qu'on que... saura quand vous parlez pour des choses pour sérieuses des ou bien pour juste dans le notre, 27 dans et notre le 20 Dans notre commune, on a, on, a, on a des logements sociaux qui vont se faire. Ça, c'est un projet qu'on travaille. Je peux pas tout des, fin, lui dire en 10 minutes, mais il y a des projets qui se travaillent. Il y a des logements sociaux qui sont là. Pourquoi pas ne pas... enfin Permettre à ces familles-là d'être dans des logements dignes de ce nom que de, 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 de les dire, de, de dire oui, on va vous régulariser des parcelles que, alors que ça ne sera pas possible. Donc, euh, proposer ces, ces, ces gens-là, s'il y a autre chose qu'on peut proposer, mais pas dire au, au, à la population de, du canton 5 qu'on va leur donner des terrains qui, qui ne leur appartiennent pas. Et euh, s'il si faut, si faut construire des logements sociaux, combien tablerez-vous pour euh, loger toute euh, cette population en besoin à Kungu On en a où pas mal, du coup, je ne peux pas donner un chiffre après. Euh, de... Mais est-ce est... que là, est est ce n'est pas un là... projet euh, à court terme, un besoin euh, assez rapide, ou il faudrait attendre plusieurs années Puisque euh, vous avez fait tout à l'heure la comparaison entre euh, des projets euh, de transport à long terme et euh, ceux euh, dont on a besoin euh, de façon urgente. Est-ce que là, ce sont des choses qu'il faudrait faire assez rapidement ou euh, sur du long terme. Même si je le dis là que c'est des projets qui se font qu'il faut que ça se fasse assez rapidement, ça ne va pas se faire euh, en, en, en un mois ni en deux mois. Donc, il mm -hmm. euh, y a des... Y a des, y a des, des ça sera études. une parole pour le vin. Voilà, ça sera ça. Moi, je ne veux pas, j'essaie je, je, d'être le plus honnête que possible. Et je ne veux pas dire aux gens, venez voter pour moi parce que d'ici, euh, dans, dans deux ans, vous aurez des logements. On va essayer. S'il y, y a des parcelles à régulariser, on, 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 on fera le possible de les régulariser. Mais ce n'est pas non plus qu'on va prendre une personne qui est dans... Dans, dans un euh, comment je peux dire ça dans terrain glissant ou par exemple des trucs comme ça euh, lui dire on va te régulariser cette parcelle là on, on peut proposer autre chose merci beaucoup Raïcha vous m'a dit d'avoir été l'invité de Zakwili je rappelle que vous êtes en binôme avec Mounirou Ahmed Ahmed euh, candidat donc dans le canton de Congo merci à vous